Bah voilà, je déclare officiellement lancer le pilote de À bientôt de te revoir. Générique. J'ai voulu l'appeler « À bientôt de te revoir » parce que c'est ma grand-mère qui me dit ça sur les messages vocaux qu'elle me laisse. Il faut savoir que ma grand-mère, un jour, je lui ai dit « Je t'aime », elle m'a répondu « Pourquoi pas ?» Comme ça, les bases de notre relation sont jetées. Et pourtant, je suis sa préférée, hein, parce que je suis la dernière, j'ai les yeux clairs, je pleure devant la messe, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'émeut. Donc, je suis vraiment sa préf. Et pourtant, voilà, elle n'est pas très prolixe. Et donc, j'ai eu envie d'être hyper prolixe. Et comme je sais qu'avec toi, Patrick, ben, je peux être hyper prolixe et que tu ne me juges jamais, tu vois. Tout ce que je dis, même si je raconte n'importe quoi, t'intéresse. J'aime bien qu'on ait des discussions et que tu m'expliques des trucs. Donc là, du coup, je me suis dit que tu serais vraiment l'invité parfait. Et vous êtes témoin du pilote. Peut-être que dans 100 000, à la 100 millième de À bientôt de te revoir, on se rappellera avec émotion et les pommettes pleines d'acide hyaluronique de ce numéro zéro. D'ailleurs, tu sais comment on l'écrit, hyaluronique, du premier coup, comme ça? Non. Ah bah voilà, moi non plus. Quelqu'un? Allez. je vois qu'on a des sachants dans la salle. Ça pourra nous être utile à des moments. Alors Patrick, j'ai vraiment l'impression d'être Evelyne Thomas, c'est trop mignon. C'était le générique ça, donc ouais, les clair. Applaudissements. Ouais, parce qu'on n'a pas le budget encore pour faire l'animation. Patrick, j'ai une première question à te poser. Si on t'avait demandé de le faire, comment t'aurais appelé Internet? Un brûle pour point, j'essaie de trouver un truc pertinent à dire, mais là, je sais pas, les gros tubes, peut-être. C'est des tubes en fait, partout. Ce qui est mignon avec Patrick Beau, c'est qu'il est toujours sérieux, et enfin je veux dire, il dit toujours des trucs pertinents, et tout le monde s'imagine toujours des trucs sexuels. Et c'est vraiment. Enfin, tu vois. Surtout toi d'ailleurs. Mais non, mais je crois que c'est tout le monde, hein, c'est vrai ou pas? Tu vois, c'est dingue. Il y a un truc comme ça, tu... Voilà. Okay. Bon. Est-ce que tu sais où c'est Internet? Écoute, c'est principalement sous l'eau, hein. Il y a les câbles et puis il y a des serveurs qui sont principalement aux États-Unis. Des serveurs. Des grosses machines dans lesquelles les sites sont stockés. Tu connais les serveurs FTP, tu connais le principe? Toi-même, tu peux avoir ton petit espace FTP. Tu uploads des données sur un ordinateur quelque part et tu crées du contenu. Ben, Internet, c'est une accumulation de serveurs sur lesquels il y a des données comme ça. Puis après, on y accède par des câbles qui passent sous l'océan. Mais réellement, quoi. Comme dans voilà, petite sirène. Voilà. Mais donc, du coup, admettons si j'ai un site Internet, il est quelque part. Ouais, il est physiquement quelque part. D'ailleurs, ils avaient calculé le poids d'Internet. C'était l'équivalent... Ouais, parce que c'est des électrons tout ça, et ça finit par peser, même si c'est minuscule, et je crois que le poids de tout Internet, c'était l'équivalent d'une groseille à peu près. Ah, ouais. Mais non. Si, parce que c'est des tout petits trucs, et tu les agglomères et ça fait une groseille, quoi, c'est Internet. Internet, c'est une groseille. C'est genre 2 grammes, quoi. Ouais, est-ce sérieux, que quelqu'un peut être script de cette émission et peut noter les trucs qu'il dit quand même, parce que Internet c'est une groseille. Vous pouvez chercher hein, le poids d'Internet et ça fait genre 2-3 grammes, un truc comme ça. J'hésite entre la groseille et la cerise, je suis plus sûr du fruit, mais. Ah non, mais c'est pas pareil quand même. Ouais, non, c'est un peu plus lourd, mais bon, voilà. Tu m'as dit que dans ton top 3 de la littérature, il y avait La vie devant soi de Romain Gary. Ouais. Alors, on va jouer à un autre truc après, mais je vais vous pitcher, enfin, je vais vous pire pitcher, parce que je fais les pires pitch, La vie devant soi. Donc, en gros, c'est un garçonnet, qui est en fait un adolescent, parce qu'on lui a pas dit quel âge il avait vraiment, qui voudrait que sa maman d'adoption slash nounou améliorée, elle est un ascenseur. J'avais oublié le coup de l'ascenseur, mais ah si, maintenant que tu le dis, ouais. Tu vois, ouais. Tu peux pitcher, s'il te plaît, mieux que moi le livre. En fait, la vie devant soi, c'est un gamin qui raconte l'histoire. Donc il y a une espèce de flux comme ça de conscience qui est raconté par un enfant, mais c'est écrit
par un adulte, par Romain Gary, qui d'ailleurs l'avait écrit sous un faux nom, sous le nom d'Émile Ajar. Émile Ajar. Et le mec, avec ce bouquin, est devenu le seul auteur à avoir eu 2 années de suite le prix Goncourt, parce qu'il a fait sous un nom d'emprunt, quoi. Et donc c'est l'histoire de ce gamin qui vit chez une dame qui s'appelle Madame Rosa, et qui est une prostituée, et qui est une vieille prostituée, donc qui a déroulé du câble, comme on dit, et qui garde les enfants d'autres prostituées qui ne peuvent pas le faire. Et donc c'est Momo, le personnage, donc il vit au milieu de ses gosses, et il raconte son quotidien, quoi, ce qu'il voit, et c'est raconté avec une naïveté d'enfant, sauf que c'est écrit par un adulte, mais ça fait pas genre l'adulte qui essaie de faire l'enfant, on dirait vraiment que c'est le gosse qui l'a écrit. Et pour avoir lu donc les premières pages du prochain livre de Sophie Marie, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là. Eh ben, tu sais quoi ? Ah, je l'ai apporté, donc là c'est un peu une avant-première mondiale. Tadam ! Wow. Et je me fais carrément mon auto-promo, mais c'est mon podcast, alors j'ai le droit du coup. Voilà, ça s'appelle L'Art de la Guerre 2, ça sort le 1er novembre chez Flammarion, vous pouvez évidemment le précommander. Hein. Et après, si bon, je vous expliquerai, il y aura un jeu qui va être mignon. Mais quand j'ai invité Patrick, je lui ai demandé s'il était OK pour choisir un passage à lire. Donc j'ai mis des petits post-it par sujet. Et donc, si vous regrettez d'être là, tant pis, vous pouvez pas partir. Parce que sinon je le verrai, je vous poursuivrai, je laisserai tout le monde et je viendrai vous chercher par les oreilles. Donc on choisit ensemble quel thème on fait. Je vous dis, après vous me dites, d'accord ? Alors, il y a le post-it enfance, mais c'est pas tout. Il y a également le post-it bar tabac, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a également le post-it prof d'allemand. Il y a un post-it vieux mignon, si vous voulez chialer dans les chaumières. Il y a un post-it sexe, parce qu'il faut vendre du papier quand même, hein, c'est pas le tout de... Hein. Il y a un post-it agent immobilier. Il y a un post-it déménagement. Un post-it Johnny Hallyday. Obviously. Et c'est tout. Est-ce que c'est... Est-ce que tu veux choisir tout seul ? Est-ce que tu veux de l'aide pour choisir ? Bah, j'imagine que toi, peut-être, s'il y en a que... Moi, je les aime tous. Ouais. C'est tous mes enfants. Toi, est-ce que t'as une préf ? Sinon, tu fais une bague en or, tu sors dehors ? Putain, je connais pas, c'est genre une petite... Une bague en or, tu sors dehors. 1, 2, 3, c'est moi le roi. Plouf, plouf, plouf. Bœuf. Non, mais écoute, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour rebondir, on peut peut-être faire le sexe, le tag sexe. Allez ! Alors, le tag sexe, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Ah oui ! C'est là ? C'est là, c'est moi qui l'ai écrit. C'est vraiment un truc de ouf de le voir. Alors, je vais me... Alors... Il y a... Il y a un monde entier entre ce que les gens donnent à voir en position debout et ce qu'ils sont réellement une fois sans les chaussettes en train de pétrir ou de se faire pétrir. C'est entendu dans l'humanité globale qu'on ne doit pas dire qui on est une fois déshabillé, sauf une petite catégorie qu'on appelle les filles extravagantes et les donjons. Eux, selon le manuel, on a le droit de se les figurer en train de filer des coups de rein comme des gros pourboires dès qu'on les a présentés comme tels, mais c'est jamais pour les féliciter. On les désigne du menton de manière un peu dégoûtée, et c'est dommage parce que ça veut dire que tous ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie, on les laisse mentir. Pire, on les encourage à mentir concernant leur préférence horizontale. C'est le cas des meufs de l'Île-Dieu. Elles peuvent te manigancer au vu et au su de tous 40 recettes de tiramisu différentes sans aucune pudeur. Mais pour ce qui est de savoir si elles aiment bien se faire gifler les seins, alors là, c'est carrément l'outrage. Mais comment ça ? Mais non, mais je ne suis pas de ce genre-là. Mais attends, de quel genre on parle ? Le genre qui sait jouir ? Ah oui, excuse, je dois me taper tes 26 tiramisu et comment tu bats la mascarpone dans le sens des aiguilles d'une montre à 41 degrés tout pile, mais pas moyen de savoir si ça te chauffe quand te file des claques sur les seins. Bah merci, c'est clair. Tu m'as bien rendu service. À cause de toi, à cause de vous toutes, je me retrouve avec un raté au Formule 1 qui me malaxe toutes mes excroissances graisseuses avec une application sans précédent, sans qu'aucun de nous arrive à dire pourquoi c'est pas un moment de grâce. Bravo les meufs, bien selon le manuel. Votre omerta quant au plaisir nous laisse une béance géante d'éducation sexuelle, mais c'est cool au moins quand on voudra faire des tiramisu qui sortent de l'ordinaire, là on aura des recettes. En gros, ça dit qu'il ne faut pas ne pas parler de sexe. En fait, voilà, je vais faire tout à la positive. Il faut parler de sexe, c'est pas un mal, et si on n'en parle pas, on est tout...
faut pas parler que de ça trop fort tout le temps partout, mais c'est important, je trouve. Il continue à lire, regarde le suicide. Bah oui, bah oui. Il est schnappant. Tu lis beaucoup, toi, Patrick ? Écoute, moins ces derniers temps. Tiens, mets ton micro, mon vieux. Alors, moins ces derniers temps, mais là, du coup, le prochain que je vais lire, ça va être celui-là. Ah ben. Voilà. Puisque j'ai commencé, j'ai déjà très vite accroché. Et alors, du coup, est-ce que je lis un autre Si c'était pas. Je voulais pas vous saouler avec ça, mais si t'as envie, ma foi. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, je suis en total égo trip. Moi, je veux bien faire celui sur Johnny Hallyday. Parce qu'il faut parler peut-être de cette. Cette passion qui te j'ai te tout lie à fait une passion. Johnny. C'est là la page. Ah, c'est non. Derrière, je crois. J'ai une passion pour Johnny Hallyday au premier degré parce que je trouve que Johnny c'est notre patrimoine avant la Tour Eiffel et les gens bombeurs, quoi, je veux dire. et c'est lui qui nous fédère finalement, même si on n'aime pas Johnny ou qu'on le trouve beauf ou qu'on s'en fout. Comme on sait qu'il est là, on sait que ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes d'accord ou genre pas du tout? Il va mieux là d'ailleurs, Johnny. Ça va super, il rentre de Saint-Barth là, il est. Mais c'est Letty, hein. Heureusement qu'elle est là, sinon. Letty, bah ouais. Letty, on l'adore. Qui ne vieillit pas d'ailleurs, Letty, il faut bien le souligner. Je pense que. Ouais, bon, je. Si, mais. Elle vieillit, mais ça se voit. Ça se voit pas. Alors donc. Johnny me fait. Attends, je recontextualise. Oui. Je suis à un concert de Johnny. Voilà. Johnny me fait signe depuis les côtes flottantes de cette scène géante, planquée derrière un pendrillon qui en sait plus sur le track que tous les psys de la galaxie. Jamais été si près de mon idole. Sérieux, comment une telle légende peut avoir une tête à porter un tablier, meilleur grand-père du monde, et tourner les saucisses en regardant sa petite famille? Il me fait un signe. J'hésite. Est-ce que j'ai quelque chose à lui dire? Je vais pas lui sortir, j'adore ce que vous faites quand même. Il insiste, je résiste. En fait, je veux être les gens, je veux pas être mon idole. Je viens tout juste de découvrir que c'est peut-être eux qui ont raison de flâner à la Fnac. Il me semble que j'ai encore à apprendre avant que lui et moi on partage un petit verre de cacahuète. La prochaine fois, c'est promis. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai observé le monde depuis mon siège E34, et puis je peux pas rester, je dois les écouter sortir et débriefer. Ils ont attendu si longtemps, l'enveloppe avec le ticket bien rangée dans le bahut. Jackie, sa femme et son sac babou qui vont poser leur veste par terre en tas pour faire la corée de allumer le feu. Ma place, elle est là, dans l'embarras des cœurs qui battent, et pas en loge où on a de l'espace et trop de rêves déjà exaucés. Allez, je te rends ton décor, au boulot tonton. T'as 25 000 veines à remplir d'adrénaline, dont les miennes toutes penaudes d'avoir dit que j'aimais pas les concerts. Quelle gourde. C'est vrai que je suis gourde des fois. t'aimes bien ? Mais oui, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je suis conquis. Non, parce qu'il faut que j'explique pourquoi j'aime. Je pense que les premiers textes que j'ai lus de toi, c'était les chroniques que tu avais faites sur Brain. Sur le. C'était encore une fois des chroniques sexuelles. Vraiment, je ne suis pour rien. Mais... oui, c'est vrai. Chacun donc, cherche sa chatte. C'était une saga érotique que vous pourrez trouver. Truc. Qui me plaît, moi, dans l'écriture de Sophie Marie, ça se retrouve à l'oral aussi, quoi. C'est-à-dire qu'elle a, pour moi, une vision du monde très spéciale, très personnelle, et elle établit des liens entre des choses qui ne nous viendraient jamais à l'esprit, quoi. Donc, du coup, quand on lit ces textes, on est surpris à chaque phrase, parce que c'est des formulations qu'on n'aurait jamais imaginées, et des relations entre des choses, et donc, du coup, c'est très rafraîchissant, c'est très surprenant, et ça sort de tous les clichés, de tous les codes habituels, quoi. Elle a vraiment un univers propre. Je me fais rincer, mon gars, mais laisse tomber. Et c'est vrai, je pense que c'est rare. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment curieux de lire la suite, quoi. Et moi, j'aime bien traîner avec toi, parce que tu trouves toujours une explication quand, a priori, il n'y en a pas. J'essaye, ouais. Tu veux bien jouer un jeu? Ouais. Joue-moi, on dirait vraiment que je vais vous enfermer. Je te dis un mot et tu me dis ce que ça t'évoque. T'es prêt? Ouais. Prise Péritel. Prise Péritel, télévision. Enfin, le truc, là, c'est que c'est basique ce que je dis. Je suis sûr que toi, t'aurais dit un truc de ouf. Non, mais c'est un exercice. Donc, ouais. Tu commences par la télévision. Après, on va faire une petite association d'idées. Un souvenir précis, fort de télévision pour toi. Tu aurais peut-être dit grand-mère ou quelque chose comme ça. Tu serais allé dans le contexte plus large. Prise Péritel, j'aurais dit une boîte de chaussures avec le bordel de. Tu sais, quand les parents, ils ont une boîte. Voilà, mais c'est ce que je dis. Tu fais des raccourcis. Et plus rapide que nous, quoi. Nous,
on va à l'évidence. D'accord, mais les autres humains. Je suis pas foutue de faire 7x5, tu vois, donc ça m'arrange pas de savoir que pour moi, Prosperitel, c'est un carton de chaussures. D'accord. D'ailleurs, je voulais aussi qu'on, avec nous aujourd'hui, je voulais qu'on ait Mickaël Launay de Micmac, que j'adore, mais j'avais peur qu'il me fasse faire des multiplications. Ah ouais, c'est... il peut pas s'en empêcher, hein. Donc mais je il sais. L'aurait fait. Ouais. Mais hier, je lui parlais et vraiment, j'essayais de dire que aucun c'est oui, tu vois, que sujet verbe complément et question fermée, pour pas qu'il me dise. Et sinon, toi, 3x12, tu dirais. Mais t'as bien tiens, fait. 3x12. 36. Oh putain, il est fort. C'était pas trop dur non plus. Hein, c'était... Sérieux. Non, mais c'était pas très compliqué là. Non, mais c'est un truc de ouf quoi. Non, je t'assure que c'était pas dur, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est plus compliqué de faire des associations à 4, 5, 6 degrés en avance sur les gens. Mais que oui, de faire 3x12. Mais ça sert pas à trouver combien ça coûte mais au solde. Mais tu peux faire des bouquins avec ça. Oui, mais bon, tu sais très bien que l'édition ça paye pas, mon pauvre Patrick. Vas-y, fais-moi une multiplication. 4 x 7. Ouais, frère. 4 x 7, donc 7 et 7, 14. 14 et 14, 28. Bien joué! Bravo! On dirait que je vais pouvoir sortir du centre pour le week-end. ensuite, un autre souvenir slash association d'idées, Patrick. Ouais. Loi Carrez. Je pense appartement, tu vois, mais c'est, encore une fois, c'est logique, quoi. Un souvenir d'appartement. Est-ce que la dernière fois que tu as entendu Loi Carrez, par exemple ? C'était sans doute quand j'ai loué mon précédent appartement, j'imagine, quoi. C'est un vieux souvenir. Hein. Alors attends, on va jouer dans l'autre sens. Le jour où tu as eu les clés de ton premier appartement, il faisait beau ou il faisait gris ? Il me semble qu'il faisait assez beau, ouais. Et c'était mou au sol, genre tapis ? Non, on était sur l'asphalte, en fait, sur le parking de la résidence. Ouais, mais c'était pas de l'asphalte dans ton appartement, mon frère. Non. Non, c'était du carrelage. Ah putain, je supporte pas les apparts carrelés. Ouais. Même dans le salon ? C'est partout, hein, vraiment. Ah là là. Il y a un phénomène dans L'amour et dans le pré, tout est carrelé. Les maisons de tout le monde sont carrelées, c'est insupportable, je n'ai jamais vu ça. Il y a des gens qui venaient vraiment voir l'émission et qui se disent... Je suis désolée, mais vous allez entrer dans le délire. Résistez pas, ça sert à rien. Et tu vois les joints de carrelage gris foncé là ? Ouais. Je suis désolée. Moi, je trouve que c'est des gens qui aiment pas la vie. Tu veux dire ceux qui les posent ? Ouais. Proposent. Enfin bon. Bref. Ah là là, on va faire une autre association d'idées. Ouais. Si je te dis le jeu de la tomate. Là, je pense à suffocation. C'est encore sexuel, putain, mais c'est abusé. C'est le principe, non? C'est ça le jeu de la tomate, non? Le jeu de la tomate, c'est ça. Je vois pas du tout, quoi. Là, moi, je vois quelqu'un qui joue au volleyball au sol, quoi. À ras du sol. C'est ça, en plus. Mais c'est... Ah bon? Oh, putain, mais c'est ça le jeu de la tomate. Depuis c'est du volleyball bas. Tu sais, c'est des gens en rond, sauf qu'au volley, on joue pas en rond, il me semble. Non. C'est genre... hein. Si tu joues au volley en rond et par terre, et après tu trappes là, le gras du truc sur le gravier. D'accord. Donc, est-ce que tu as un souvenir J'ai jamais joué à ça. Ah bon? Non. Mais pour moi, le jeu de la tomate, c'est comme le jeu du foulard, en fait. Mais c'est vraiment, qui s'étouffe, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais c'est ton association d'idées. Ah ouais. Mais ben voilà, t'es un... Patrick, non. Il n'allait pas au centre aérien. Ben non. D'ailleurs, pourquoi ? Ben ouais, je suis jamais allé ni au centre aérien ni en colo, tout ça, parce que je sais pas, j'étais bien chez moi, j'imagine. Et mes parents me forçaient pas. Trop mignon. Et voilà. Donc peut-être que je suis passé à côté d'un truc, mais. T'as jamais eu envie de genre. Non, parce que j'étais assez solitaire. Je suis fils unique. Et je restais chez moi dans ton petit univers. Je t'imagine vraiment avec un chapeau comme Marc Vera, tu sais, qu'une grande plume en train d'écrire des choses insolites, mais tu vois. Genre, non, il n'y avait pas de chapeau, mais je jouais beau. J'avais beaucoup de petits personnages, et donc j'imaginais des univers comme ça. J'avais des Schtroumpfs, des G.I. Joe. Oh, il est trop mignon. Ouais. Tu leur faisais faire des histoires. Est-ce que ce que tu préférais faire avec tes personnages, c'était faire les scénarios ou les faire jouer in situ, quoi. J'adorais les scénarios. Ah, oui.
des bons gros scénarios avec des tas de personnages qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Parce que non, mais quoi, il n'y a quand même pas... Bon gros scénario, excuse-moi, mais il y a... Non, non, mais moi, c'est un peu comme dans Toy Story. Quand on voit Toy Story, les personnages n'ont rien à voir les uns avec les autres et ils imaginent des histoires, voilà, de délivrance de la bergère, là, etc. Ouais, non, mais là, quand même, c'est tiré par les cheveux. Excuse-moi, Et donc, je faisais pareil. C'était des personnages qui n'avaient rien en commun, hein, du G.I. Joe, du Schtroumpf, du Musclor, etc. Tu dis Schtroumpf ? Ouais, pourquoi tu dis quoi, toi ? Schtroumpf ? Schtroumpf ? Moi, j'ai dit quoi ? Schtroumpf ? Schtroumpf ? Ouais. Voilà. En fait, il y a dans, tu vois, il y a 26 lettres. À un moment, il y a le O qui fait comme Schtroumpf. Ouais, et sinon, il y a le U. Ouais. Qui fait comme un Ouais, ouais. Bah, tu vois, ça fait 30 ans maintenant que je suis sur le Schtroumpf, quoi. Okay. Et donc voilà, et j'imaginais des petites aventures comme ça, ça durait des heures, du coup, j'allais pas au centre aéré. Voilà. Déjà, bon, c'est trop mignon, j'ai envie de te faire un câlin. Est-ce que tu mélangeais, genre, est-ce que G.I. Joe rencontrait les Schtroumpfs? Ça pouvait arriver, du coup, c'était comme si c'était une nouvelle espèce, quoi. Bah, je rencontrais des mecs bleus extrêmement petits, qu'est-ce qui se passe? On voyait des renforts, et puis voilà, ça se passait comme ça. Mais tu réglais ça de manière un peu pacifiste ou... Non, c'était souvent la bagarre quand même. Hein. Ah, bah, ouais. J'étais un petit garçon, ça se finissait dans le sang. C'est généralement. Pas vrai. Ouais. Moi, j'ai un pote qui avait des méthodes de torture de G.I. Joe. Il les mettait, selon ses propres termes, hein, il les mettait à mi-ombre, mi-soleil. C'est-à-dire que bah, des fois, tu vois, il y a un moment où il y a une frontière entre l'ombre et le soleil. Bien quoi. Sûr, bien sûr. Et ben, lui, il posait le G.I. Joe au milieu. Et pour lui, c'était une forme de torture, alors que c'est comme un semi-bronzage finalement. Pour lui, c'était terrible, c'était la punition ultime. Genre, quand son G.I. Joe était capturé, tu vas finir mi-ombre, mi-soleil. Donc, il le posait. Puis, au bout d'un moment, c'était l'ombre complète, hein, forcément, puisque le soleil tourne. Mais voilà. C'est la meilleure torture. J'imagine, tu sais, nous, on se dit, ouais, à Guantanamo, c'est chaud, les trucs qu'ils font et tout. Ils sont là, ils se prennent des seaux d'eau et tout. Non, juste les gars, mi-bronze. Mi-soleil. Tu vois. Ouais. Et il se met sans indice 50. Absolument, non, indice c'était sans 20. Crème. Ah ouais. Non, bah attends, c'est hyper dangereux. Bah ouais. C'est hyper cruel comme principe. T'as arrêté de jouer quand au G.I. Joe slash Schtroumpf? La semaine dernière à peu près, bah, j'en avais beaucoup, sûr. Donc il fallait que je fasse le tour. Non, par contre, bah, je vais boire. Bien sûr, attends, il n'y a aucun problème. Par contre, quand j'étais adolescent, du coup, j'avais une excuse pour continuer à jouer avec les petites figurines, parce que je faisais des tournois à mon petit cousin, qui avait 10 ans de moins que moi. Je lui faisais des tournois façon Dragon Ball. Donc il y avait des tas de personnages, et je faisais des tournois avec des rebondissements, des trucs de fou. Et en réalité, c'est moi qui m'amusais, quoi. Et puis lui, regardez. Et voilà. Il faut que tu me précises Dragon Ball, ce que je vois à peu près. Ben, Dragon Ball, ils font des tournois d'arts martiaux presque tout le temps, en fait. Ah, c'est ça, Dragon Ball ? Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. Mais c'est pas un gars qui veut conquérir une île, à la base, c'est un petit bonhomme avec une queue qui cherche des boules de cristal. Quoi ? Ouais, c'est Son Goku, il cherche les boules de cristal parce que tu peux faire apparaître un dragon qui te permet d'exaucer des vœux. Mais très très vite, ça part en couille et ils commencent à se battre tout le temps avec tout le monde. Et ils font des tournois d'arts martiaux, ils sont de plus en plus forts. Et là, maintenant, ça fait 30 ans que ça existe, quoi. Ils continuent à se mettre sur la gueule, ça n'arrête pas. Ah bon ? Ouais, ouais. Mais t'es sûr que c'est ça le vrai pitch ? C'est pas genre la copie pirate du... Ah non, 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 ça se passe comme ça, ouais. Parfois, t'as des petits épisodes entre deux tournois. Mais grosso modo, c'est quand même beaucoup de tournois. Bien. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que t'as un petit garçon qui arrive sur Terre avec une queue de singe, Sangoku. Ah, il y a une queue de singe ? Oui, parce qu'il vient d'une autre planète, en fait, où c'est des moitiés singes. Et il se fait recueillir par un vieil homme, un ermite. Ah, tortue géniale. Non, ça c'est après. Okay. Donc il se fait recueillir par un vieil homme qui devient son grand-père. Mais Sangoku croit que c'est son vrai grand-père. Il ne sait pas qu'il vient de l'espace, en fait. Il ne voit pas qu'il a une queue de singe. Et il se pose des questions, mais il est un peu naïf comme garçon. Et donc il se fait entraîner par son grand-père. Il est très fort parce qu'il vient d'une autre planète. C'est la planète des Saiyans. Ils sont très puissants. D'où Super Saiyan. Tu connais Super Saiyan, peut-être ? Ok. Saiyan, c'est quand ils deviennent blonds. Ils se font une petite couleur et ils sont très forts. Exactement. Raphaël Descraques est un bon exemple de c'est Super Saiyan. Saiyan. D'accord. Exactement. Et donc voilà, il devient de plus en plus fort, sans coup. Et puis au début, dans la première série, dans Dragon Ball tout court, parce qu'après c'était Z, dans la première série, donc c'était les petites aventures de Sangoku, il se baladait dans la forêt, etc. Tu fais bien Sangoku. Ouais. Et puis très très vite, c'est devenu des tournois d'arts martiaux. Et à chaque fois, vraiment, Dragon Ball ça fonctionne comme ça. Je suis désolé, mais systématiquement, il y a un super méchant qui est plus fort que tous les autres. Et donc là, pendant 15 épisodes, on se dit, putain, mais comment ils vont faire pour le battre, quoi? Donc Son Goku, il s'entraîne, il transpire, il se dit, j'y arriverai jamais. Et puis, il finit par le battre, forcément.
Et la saison d'après, il y a un autre méchant encore plus fort. Et c'est comme ça, non-stop. Et ça compte. Et ah oui, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'ils imaginent de nouvelles transformations. Parce que Super Saiyan, c'est le premier niveau. Mais t'as un niveau 2, niveau 3. T'as un niveau où les cheveux poussent jusqu'au cul, à peu près. Et les sourcils disparaissent. Et c'est vrai. Ah et non, puis, donc voilà, ils imaginent. Là, récemment, ils ont les cheveux bleus maintenant. Donc c'est très capillaire, en fait, comme série. De ouf. Ouais. Putain, mais ils prennent des petits compléments, des trucs pour que ça pousse. Sans doute bêta-carotène, parce qu'il y en a qui a les cheveux roses. Ouais. Ah. Voilà. Et puis, ça leur permet d'être plus forts et donc de se battre contre les adversaires encore plus puissants. C'est une surenchère comme ça. Mais excusez-nous, hein, on discute 5 minutes. Du coup, il se rend compte qu'il vient d'une autre planète à un moment donné. À un moment donné, oui. Est-ce qu'il y a d'autres de son parce espèce? Parce qu'il y a un moment donné où il y a deux gars qui débarquent de la planète en question, okay. De la planète Vegeta. Parce qu'il y a tout un délire autour des légumes. Ah, c'est ça, Vegeta. Parce que Son Goku vient de la planète Vegeta. Et Vegeta, c'est le prince de la planète Vegeta. Donc, il s'appelle Vegeta. Éponyme, quoi, d'accord. Et c'est là que tu vas être surprise. Parce que Son Goku, tu connais ce nom. Tu l'as déjà entendu, bien évidemment. Mais le vrai nom de Son Goku, son nom original, comme Superman, c'est Kal-El. Tu sais, qui vient de la planète Krypton. Là, je te perds pas, là. Il s'appelle Kal-El. Kal-El, le vrai nom de Superman, sur la planète Krypton. Et puis, quand il est arrivé sur Terre, ils l'ont appelé Clark Kent. Mais à la base, c'est Kal-El. Et d'ailleurs, le fils de Nicolas Cage s'appelle Kal-El aussi. Parce qu'il est fou, Nicolas Cage. Il a appelé son fils comme Superman. Et donc, je disais ça. Trop d'infos, oui, la planète Vegeta. La planète Vegeta, donc, les gens ont des noms de légumes. Et donc, le vrai nom de Son Goku, c'est Carotte. C'est authentique. Non. Et en japonais, c'est Kakaroto. Carotte. Et il a un frère qui s'appelle Raditz. Mais non. Et il y a tout un délire comme ça de légumes. Parce que Akira Toriyama, l'auteur, c'est un gros déconneur. Quoi. Énorme fan de légumes, quoi. Et ouais, sans doute. Putain, c'est un big délire. Attends, il y a un truc qui n'était pas prévu, mais est-ce qu'on a un micro pour les gens de la salle? Parce que j'aimerais bien qu'on fasse deux secondes passer le micro pour qu'on choisisse chacun son nom de légumes. Enfin, peut-être pas chacun, mais genre une rangée de personnes, quoi. Est-ce qu'on a un petit mic? Je prends le mic pour la pagaille. Ah cool, merci. Alors choisis une rangée où il y a genre un peu de personnes, quoi. Voilà, je te laisse choisir. Voilà. Alors, quel est votre nom de légume? Personne ne juge personne dans cet établissement. On est tout en couleur vive de bienveillance. Vas-y, je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Aubergine. Ah, oh, tellement stylé, toujours sexuel. À toi. Topinambour, disons. Oh là 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 là. En plus, ça n'est pas pris dans la série, quoi. Putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Quelqu'un veut choisir son nom de légume, vas-y. J'ai pas trop d'idées, en fait. Je pense à la blette, mais... c'est pas... choisis un deuxième prénom de légume, du coup. Je suis un chou, un petit chou, tellement mignon. Je sais que tu es en train de réfléchir à ton nom de légumes. Je te connais comme si je t'avais faite. Moi, je dirais betterave. Bah ouais, je comprends, franchement, je comprends. Concombre. Oh là là, c'est toujours sexuel. On va dire patate douce. C'est trop mignon. Petit pois. Bah ouais, bah bien sûr. Va. Mais ce qui... Courgette. Je vais dire poivron. Franchement, c'est stylé. Hein. C'est sur Alice qui se passe là. Ouais. Prendre du recul. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça si vous rencontrez des gens pour le reste de la journée? On a les petits contrats à la sortie, vous pourrez signer. Non, c'est pas vrai. J'avais aussi pensé à Courgette, donc on a le même prénom. Waouh, mais c'est génial. Vous allez devoir vous battre, hein. Ça se passe comme ça dans la série en général. Moi, je dirais Brocoli. C'est bien. Parce que et ben d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle comme ça. Ouais, c'est Broly, mais c'est Brocoli, quoi. Mais du coup, il a... Pourquoi il n'a pas... Je sais pas, mais il est très très puissant. Okay. Il s'appelle Brocoli. Il n'avait pas le time pour mettre le... Continue. Ouais. Fleur de courge. Oh là là. Attends, à qui parle? Ah oui, salut, Fleur de courge. Enchantée. Écoutez, merci pour cette expérience. Donc bravo. Maintenant, Patoche, je te laisse répondre. Mon nom? Fenouil, hein, je pense. Oh là là, ça te va hyper bien. Je suis sur un fenouil. Ça te va extrêmement bien. Mais c'est par rapport à Jules Fou. C'est Jules Fenouil, parfois, comme j'y pensais. Voilà.
trouve ça super. Je trouve pas du tout. Tu vois, tu dis que j'ai de l'imagination, mais je sais pas du tout ce que c'est mon nom de légumes. On fera une votation à la fin pour choisir. Si tu devais là spontanément sortir un légume. Franchement, je n'ai rien. J'ai un bruit blanc dans la. D'accord. Ok. Bon. Ah oui, il faut dire aussi que quand tu m'as vu peut-être la première fois, t'as pensé à un arbre. Que j'ai jamais vu parce que c'était sur une couverture de. Ça me rend ouf cette histoire, mais ça me. J'y pense au moins une fois par jour. Oh depuis 4-5 ans quoi. C'est horrible. Quand j'ai rencontré Patrick, je l'ai vu et j'ai entendu sa voix et immédiatement il m'a fait penser à quand j'étais petite, ma mère me lisait un livre d'histoire, un gros livre d'histoire. Il y avait, ça prenait place dans un arbre, un grand arbre où il y avait plein d'animaux dedans, notamment une petite famille de hiboux. Nullipare, voilà, il y avait juste, ils étaient deux, et plein d'autres petits animaux mignons, et il me fait toujours penser à ce grand arbre, mais à notre grande dame, on n'a jamais retrouvé, ni lui ni moi, qui est vraiment cherché. Ouais. Je suis allée dans la bergerie chez mes parents dans les Vosges, si tu veux, dans les cartons de déménagement de quand, tu vois, quand ils sont partis d'Alsace, donc ça veut dire en 2006. D'accord, waouh. Je parle comme si on se connaissait. Ouais. Vous tournez au rond-point. Bon, ça, c'est ma blague numéro 4. Tu l'as pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé, mais je ne désespère pas. Et j'ai mis une alerte Google sur le. Quand tu parles d'arbres. Oui. Ouais. Là, tu dois avoir beaucoup de notifications. J'ai énormément de mauvaises nouvelles avec ce mot-clé. Patrick, est-ce que tu trouves que la littérature, ça peut se. Comment dire on voit par exemple avec les fanfictions aujourd'hui que la littérature s'ouvre et l'auto-édition et comment elle s'appelle J.K. Rowling qui a d'abord auto-édité, hein, c'est ça le. Ah, je suis pas au courant. Écoute, il me semble bien. Quelqu'un peut m'infirmer, me confirmer ? Non ? Fifty Shades ! Exact, je me trompe. Qui est une fanfiction de Twilight, c'est ça, non ? Exactement. Voilà, ouais. Donc on peut dire que la littérature s'ouvre. Et donc moi, je veux quand même te poser une toute petite question à laquelle je pense que tu ne t'attends pas. Donc je te laisse quand même une minute. On peut. Mais je ne m'attends jamais à ce que tu vas me dire de toute façon. Donc. Est-ce que si tu devais écrire une fanfic, quels seraient les 5 W de ta fanfic ? Donc qui, quand, quoi, où, pourquoi ? Wow. Si je devais écrire une fanfic... Prends le temps de te le mettre en bouche. Ouais. De qui est-ce que je pourrais faire une fanfic ? Une fanfic de Michael Launay, peut-être ? Bien sûr. Dans laquelle il y aurait des tas de multiplications, quoi, forcément, des additions. Ça se passerait au Palais de la Découverte. Et on ferait de belles expériences, quoi. Voilà, là, vraiment, je te le dis comme ça vient. Hein. C'est pas très réfléchi. Il y aurait une DP sur un 8. Sur un quoi ? Un 8. C'est quoi un 8 ? Ben, c'est quoi un 8 ? Oh, pardon. Non, mais le chiffre 8, oui, d'accord. Je croyais que c'était 8. Un truc qui m'échappait. Non, non. Ok, d'accord. Sur un 8, okay. Et bon, du coup, comme. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a beaucoup de fanfiction sur les légendes d'Internet. Et moi, un jour, j'ai découvert qu'il y avait des fanfictions, beaucoup, avec moi et le François du Fossoyeur de film. Et ça, ça a été un choc. Ah, bah, attends, je trouve que c'est un peu la moindre des choses de faire ça. Hein. C'est un choc, ça. Et c'est quoi le pitch alors de la dernière dont tu te rappelles ? C'est très, très souvent, ça part en couille assez vite, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que c'est généralement écrit façon collection Harlequin. Donc, on sent qu'ils essaient de choisir des mots extrêmement raffinés. On est dans la métaphore, dans la suggestion. C'est pas hard, quoi. Et c'est troublant. Et ce qu'on s'était dit avec François, c'est que c'est un peu comme si on était voilà, des petits bonhommes, en fait. Si on s'amusait avec nous, comme avec des figurines. On aurait dit qu'ils allaient en vacances et ils faisaient ça. Et puis, ils finissent par s'enculer tôt ou tard. Voilà. Et ça fait bizarre. Et d'autant que parfois, il y a d'autres personnes qui interviennent, quoi. Généralement du YouTube game, on va dire. Genre qui ? Et des tas de gens. À une époque, Antoine Daniel donc, avait beaucoup de fanfiction avec Mathieu Sommet de Salut les Geeks. Et il y en avait tellement qu'il y avait un genre qui s'était créé qui s'appelait les Matouanes. Parce que c'était systématiquement Mathieu et Antoine. Et il y a une très large littérature de Mathieu Sommet, Antoine Daniel qui s'embrassent. Voilà. Il y a même des dessins, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je trouve ça. Je trouve ça ok. Oui.
Jamais personne s'intéresse à moi en fait. Ça se trouve, il y a peut-être une fanfiction de l'émifion et vous le savez pas. Il n'y en a pas. Tu penses bien qu'elle a une Google Alert, Navi, sur l'émifion. Ah. Et c'est là qu'on peut donner la meilleure excuse quand personne te calcule. Non, mais je fais peur. Mais c'est souvent, ouais. C'est souvent des fantasmes gays, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais, ouais. Quoi qu'on fasse dans n'importe quel sujet, on est toujours dans le patriarcat. Hein. C'est incroyable. Ouais. Hein. Laissez-nous nous amuser. Oui, ben. Ouais. Alors j'ai ramené un mummy porn. Oh. Par Nina Marx. D'accord, tiens. Pseudo intéressant. Et du coup, ce que je vais te proposer, parce qu'on a déjà fait des lectures de mummy porn, machin, mais en fait, j'ai noté quelques... Moi, j'adore les accents. Et du coup, je voulais te proposer de lire un petit paragraphe. Avec un accent ? Ouais. Ah oui. Alors, j'ai voix aéroport de Paris. Mm-hmm. Oh... Non, attends. C'est comment le... Oh... voix Bordeaux Chanel. Wow, c'est moi non plus, comme je sais la pub pas. De dire. Ouais. D'accord. Mais c'est genre voix commentateur sportif. Ouais. Et sinon, j'ai écrit voix annonce de station de métro. Ok. Moi, alors, je veux bien faire ça. Station de métro. C'est ça que tu préfères? Ouais. Ok. Alors très bien. Regarde. Oui, c'est un baiser. On n'a pas de mineur avec nous. J'ai pas mes lunettes. Dénoncez-vous. Donc c'est bon, ce paragraphe. Hein. Il me semble. Bon, tu peux tirer jusque-là si tu vois que... Allez, ça... Okay. Un feu d'artifice gigantesque m'aurait moins surprise que ce baiser qui dépasse de loin toutes mes attentes. Nos langues félines se cherchent, s'apprivoisent avec douceur. Elles valsent en harmonie, mais c'est Marvin qui mène la danse. Il a le goût de la puissance. Sa langue dirige la mienne et je suis le mouvement, ivre de plaisir. À mesure qu'il m'embrasse, mon corps... Ça, c'est fauve, c'est pas... C'est vrai, dis donc. Attends, mais fauve chante comme un mec qui fait des annonces de métro, en fait. Vas-y, continue en fauve, et après, on fera la dernière en annonce de métro. Okay. À mesure qu'il m'embrasse, mon corps est gagné par une onde de chaleur. Mon ventre est brûlant, un sentiment nouveau et agréable qui me donne envie d'être plus proche encore de lui. J'écarte avec douceur mes cuisses et Marvin prend instinctivement place entre elles. Tu vas faire quoi ? Je sens son sexe contre moi, il est tendu. Un frisson de désir sillonne mon dos. Des gémissements de plaisir sortent de sa bouche et ses mains arrêtent de caresser le tissu de ma culotte. Okay. Pour enfin venir explorer ce qui se cache dessous, je frissonne. Voilà. Et par contre, station de métro, alors attends, Vavin. Vavin. Ah okay. Oui, d'accord, juste le nom des stations, tu veux dire. Tu vois, genre. Ouais, mais c'est très court, quoi. Bah, c'est à toi de faire une scansion idoine. Ma petite culotte est en soie et dentelle rouge. Vieux fou. Devant le miroir, j'avais imaginé les mains de Marvin se promener sur ses sous-vêtements que je n'avais jamais osé mettre avant. Voilà, je pense qu'on est proche de la... Ah, c'est superbe. C'est superbe. J'ai envie que ça soit toi qui fasses les commentaires de L'Amour est dans le Pré. Bah, ok. J'ai jamais regardé, tu sais quoi. Sérieux ? Ouais, je sens que tu me juges. Bon, là, mais... merci. C'est la fin de ce... Non, j'ai vu les extraits genre au zapping, mais j'ai jamais vu... Mais tu connais le pitch ? Ah oui, oui, oui. Ok. Oui. Donc, tu vois, on en revient toujours à cette histoire de pitch, hein, c'est incroyable. Ouais. Tout le monde connaît le pitch de L'Amour est dans le Pré, ici. En même temps, c'est comme si je vous demandais si vous connaissiez le pitch d'Universalis, ça n'a pas de sens. Non, honnêtement, je vois ce que je veux dire. Le concept, peut-être. Ce serait plus approprié, non ? Concept de l'émission ? Plutôt que le pitch, non ? Peut-être, ouais. Ouais. Bah, le concept, voilà, c'est ça, quoi. C'est... Je suis d'accord. C'est des gens qui... Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans L'Amour et dans le Pré ? C'est en ce moment, là ? Waouh, là, c'est hyper tendax, hein. Franchement. Oui, c'est en ce moment. Ben, ça dure hyper longtemps, en fait. Ouais. C'est depuis juillet et jusque... bien fin septembre, en tout cas. Ah oui, d'accord. Juillet, août, septembre... juin, juillet, août, septembre. Et donc, ils ont 3 mois. Donc, c'est des agriculteurs, ouais. Ou des agricultrices. Ouais. Ils ont 3 mois pour choper un candidat, une candidate. Exactement. Les séduire, quoi. Et c'est très... Il y a des gens qui détestent L'Amour dans le Vrai pour une simple raison. Alors, ils disent qu'ils n'aiment pas la télé-réalité parce que c'est du voyeurisme. J'entends.
Mais moi, j'aime toujours, je me plais à gratter, tu vois, le Philadelphie pour avoir le carrot cake en dessous, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que comme c'est vraiment la vraie vie, c'est rien de romancé. Les gens n'ont pas envie de voir ce qui se passe réellement, parce que ça leur rappelle à leur propre incapacité à être cinématographique dans leur rencontre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais tu crois pas que le fait qu'il y ait des caméras, justement, ça les sort un peu du naturel, non ? Ils essaient pas de... Oui, mais tu vois, au bout d'un moment, les caméras, tu les oublies. Bon, évidemment, si on... Comme dans Striptease, il y a un petit côté Striptease, peut-être. Exactement, il y a un petit côté Striptease, et tout le monde trouvait incroyable la mise en scène de Striptease, puisqu'il faisait vraiment des confidences. Vous vous rappelez le gars, tu sais, le gars qui... sa femme... non, je vous spoil ? Je vous spoil ce petit savant, hein, c'est pas non plus... c'est comme sa femme était malentendante et, et muette. Le mec barbu, c'est ça ? Oui. Ah, et qui mais disait... ça, c'est antérieur à Striptease, ce truc-là. C'est antérieur à la série, ouais. Mais c'était pas Striptease. C'était appel de police ou un truc comme ça, c'était la même équipe, mais c'était avant. Et tu parles du vieux de Charleroi, c'est ça ? Oui. Barbu, là. Et qui disait, je lui ai fait un pompier. Énorme, énorme. J'aime ta quête. Oh, qu'elle est belle ta quête, j'aime ta quête. C'est culte, c'est que des phrases cultes. Ouais, c'était. Très très beau. Bon, on n'en est pas à ce niveau de voyeurisme, justement, dans L'Amour et dans le Pré, parce que parfois il ne se passe rien. Parfois, il y a juste donc, des gens qui dînent en tête à tête. Ils n'ont déjà plus rien à se dire, alors que ça fait 4 jours qu'ils se connaissent quand même. Hein. Et ils sont là à se dire, ah ben c'est bien, on a beau temps cet après-midi. Et ils filment ça, ils filment ce vide-là. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que ça met les gens mal à l'aise, j'imagine. Ok. Ben ouais, sans doute. J'ai ramené également une notice de brosse à dents électrique. Je me demandais ce que ça faisait là, en fait, depuis tout à l'heure. Oui, je voulais. J'étais pas de la doc pour mon plaisir personnel. Attends, je vais trouver la France. Le petit bal de Saint-Jean. alors, ça, c'est de l'anglais, donc ça ne concerne pas. Bambini, ça c'est de l'italien. Ah voilà. Ça quoi ? Non, c'est de l'allemand. Ah, tu veux peut-être lire en allemand ? Alors honnêtement, là je suis très mauvais en allemand. Mais c'est-à-dire que c'est une notice pour se servir d'une brosse à dents, c'est en 25 langues quoi. C'est vrai. Ça, tu vois, ça c'est la mondialisation. Bah ouais. En fait, ils auraient dû envoyer ça aux extraterrestres là, tu sais, au lieu du schéma dégueulasse avec sans la meuf qui a pas de chatte là. Bah ouais, ce serait dit, bah tiens, les gens sont des brosses à dents sur cette planète. Non, ils y allons pas, c'est pour ça qu'ils sont pas venus en fait. Mais non, c'est pas la peine. Je trouve peut-être ça. Qu'ils ont pas de dents. Ils auraient vraiment dû montrer, voilà, ça c'est le vivre ensemble. Ouais. D'ailleurs, tu sais que tu penses aux deux là, l'homme et la femme sur la plaque en or là. Ouais. Et tu sais qu'à la base, ils devaient se tenir la main. Et il y a un gars qui a dit ah ouais, mais non, parce qu'ils vont croire que c'est un seul perso. Et c'est vrai, c'est pas bête. Je vois pourquoi les extraterrestres comprendraient que c'est deux êtres séparés qui se tiennent. Donc ils les ont séparés. Ça a un nom cette figurine là, enfin ce truc qui a été envoyé. Pas spécialement, c'est des plaques c'est sur les navettes Voyager, je crois. Donc c'est des plaques, ouais. Mais honnêtement, on dirait que c'est un stagiaire qui a eu... Ouais. C'est un sujet de fin de projet de... Je suis d'accord. Enfin, c'est abusé, quoi. Il n'y a rien qui va. Parce que ce qui est fou, c'est que c'est censé être compréhensible pour une civilisation extraterrestre, ce truc-là. Vous voyez ce que c'est ? Donc il y a cette plaque avec l'homme et la femme, et puis il y a des tas de symboles d'explications, parce que l'idée c'est que les extraterrestres puissent nous localiser dans la galaxie, etc. Et donc c'est censé être compréhensible par des extraterrestres. Mais le truc c'est que je mets au défi n'importe qui de déchiffrer ce qu'il y a écrit sur la plaque. C'est clair. C'est incompréhensible. C'est clair. Donc voilà, c'était pas très... Ils auraient pu foutre un croissant ou un machin reconnaissable dans... Enfin tu vois. Tu sais que dedans, il y a des trucs encodés, avec de la musique, avec des discours... Il y a des chansons, des Beatles, tout ça, pour donner un aperçu de la culture humaine. Et c'est qui les chansons, tu sais ce qu'il y a dedans ? Je sais qu'il y a des Beatles, je sais qu'il y a Beethoven, enfin des grands, grands classiques. Il n'y a pas genre Jules ? Sinon on dirait, regarde chez nous ! Non, parce que je pense qu'ils nous auraient déjà attaqués probablement. Ils auraient pris ça comme une agression. Non, mais non ! Ça aurait été Indépendance Day. Qui aime Jules dans cette pièce ? Ah. Waouh ! Il y a vraiment... une majorité de personnes qui sont de mauvaise foi. pourquoi j'ai apporté ça ? Parce que je trouve qu'on ne lit pas assez les notices. On les replie mal, notamment les notices de médicaments. Oh, je l'ai reperdu. Ah non, il est là.
Et après, c'est tout bourré dans le fond du paquet et ça nous saoule. Hein. En plus, on les garde bêtement. On se dit, ah, mais si jamais ça me sert, alors qu'on lit jamais les notices de la vie, quoi. Sauf quand t'es allergique à un moment à la codéine et tu dis, t'arrêtes pas de vomir, et tu dis, je sais pas ce que j'ai besoin. Pas de vomir, j'ai plus la notice. Tu cherches les effets secondaires. Donc là, c'est le début de la phrase. Hein. Tal. Tal, sont réduites, c'est le début de la phrase. Je crois, ouais. C'est pas possible. Ah non. Ah bah oui, c'est mental. Mental. Ou mental, regarde. Mais pourquoi ? Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 14 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales. Ah ok. Sont réduites. Sont réduites. Bien sûr. Voilà. Ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances. C'est les personnes dénuées d'expérience en brossage de dents, quoi. Ils te rassurent au cas où tu t'es jamais brossé les dents. Tu peux y aller, c'est pas trop dur. C'est cool. Non, mais c'est ça une brosse à dents, parce que moi je la mettais là. Quand il pleut et ça faisait rien. Et du coup, je me disais, mais c'est vraiment débile, comme c'est cher pour rien, servir à rien. Donc voilà, même sans expérience, on peut se servir. Si elles ont... Ah, alors attends, c'est quand même intéressant. Moi, je pense qu'on devrait embaucher des gens un tout petit peu plus fun pour écrire les notices. Ouais. Parce que vraiment, là, le gars se prend vraiment au sérieux, quoi. J'avoue. Donc, d'expérience, connaissance, et si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. Et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil. Les risques encourus par l'utilisation de la brosse à dents. Ouais, c'est vrai. Qui sont nombreux. Hein, on n'y pense pas assez. Et d'ailleurs, le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants, parce qu'en fait, c'est illégal de faire travailler les enfants. Puis ils font n'importe quoi, ils ne savent pas bien nettoyer les brosses à dents, les enfants. Maintenant, c'est je pense clair. Qu'on peut le dire. C'est clair. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Mais je ne vois pas au nom de quoi, finalement. Qui a le droit d'empêcher des enfants de jouer avec une brosse à dents, enfin, c'est pas... Tu dis qu'il y a le droit parce que vous partagez un secret avec Patrick Bruel. C'est un prénom. C'est un prénom. Et vos initiales. Oh, ouais, exact. Sérieux ? J'écoute, ouais, je vais pas réaliser. Mais non, c'est mais vrai. Arrête-toi. Non, j'étais resté sur le prénom et j'étais jamais allé jusqu'au nom, quoi. Exact. Franchement, c'était pas beaucoup plus loin. Hein. J'avoue. Mais bon. Bon, il ne faut pas utiliser... Ah oui. Très bon ça. Ah oui. Utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu. Titre. Là, c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer quel autre usage. Enfin, si on peut en fait. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabricant. Bah, de toute façon, ça ne rentre pas. Déjà, donc c'est même pas la peine de le préciser, quoi. Mais je me demande si tu veux mettre ton chargeur de Samsung, c'est mort, hein. Tu le vois très vite, quoi. Bon, écoute, on va pas partir sur un débat sur les chargeurs universels. On n'a pas le temps et peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Ah, laissez-moi vérifier l'heure. Très ouais, bien. Parce que il va falloir que je parte car j'ai une conférence assez vite au Pandora. À quelle heure? C'est à 13h, mais il faut que je sois 20 minutes avant. Ah bah là, faut bientôt lever l'ancre. Il va falloir que j'y aille, ouais. Ouais, ouais. Merci d'avoir participé à ce numéro zéro de « À bientôt de te revoir ». Eh ben merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Ah bah non, mais c'est vraiment à moi que ça fait le plus plaisir, je te jure. J'en refais ? Ah oui, ah oui, faut le faire là. Enfin, moi j'écouterai en tout cas. Ah non, c'est toi à chaque fois l'invité. Ah bon ? D'accord. En fait, c'est un immense entretien sur une vie. Tu sais. Non, tu déconnes, mais ce serait top en fait. Enfin, ça n'a jamais été fait. À ma connaissance, peut-être que ça a été fait. Que des gens comme ça s'entretiennent pendant des années. Marx et son copain. Et Jenny. Engels. Ah, exact. Engels. Oui, mais bon, ils n'ont pas fait d'émission radio, quoi. C'est vrai. Ça se saurait sinon. Puis c'était aussi parce que moi je veux pas te demander de me prêter des sous, tu vois, par exemple, comme Marx le faisait avec Engels. Ouais. Ça serait vraiment, tu vois, en tout bien, tout honneur. Bah, super paradoxe ça d'ailleurs. Le fait que Marx était entretenu par son pote capitaliste toute sa vie, quoi. Mais qui souffrait d'être capitaliste. Enfin, il était pas, il était sur la forme, mais pas dans le fond. Ouais, voilà. Il était industriel. Son père était richissime. Ouais. Et du coup, il a même adopté
l'enfant que Marx a eu avec la servante Hélène de Muth. T'imagines, il y a deux minutes, on était sur les brosses à dents, quoi. Et là, on est sur Marx et Engels. C'est vraiment pour ça que je voudrais qu'on continue ensemble cette aventure. Mais il n'y a que dans cette émission qu'on verra ça, quoi. C'est sûr. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ah ouais, moi je pense. Alors, tu me diras si tu penses qu'on peut améliorer des choses. Là, je vois pas. Hein. Là, comme ça, tu mens, ça me semble parfait, quoi. Non, c'est faux, vraiment. Ah oui. Alors, tu as vraiment mis un pain au... Putain, il faut un générique. Ouais. Ok, un générique, attends, je le note. Elle le note en plus. Pour de vrai, c'est pas de la mise en scène. Je serais curieux de savoir ce qui est écrit sur ce carnet, vraiment. Ça doit être un truc de fou. Tu devrais le publier. Pas tant. Ah ouais ? On peut prendre une page au hasard pour savoir. Je prends une page au hasard, je lis. T'en auras pas tellement pour ton argent. Attends, là, ça, c'est récent. Alors. Attends quand même, parce que... Oui. Si t'arrives à me lire... Là, on a quoi, là ? Palto ? Quoi ? Ah, Pablo. Pablo, Sacha. Exact. Pas de truc. Charnel. Waouh, ouais. Wow, j'arrive pas à lire. Chelou. Melon. pas de truc, ah oui. Charnel. Mais un truc chelou. Voilà. Ben voilà, donc au hasard, gentil. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est toi qui as écrit, t'es sûr ? Ah oui, Axel Red, genre... Axel Red. Genre, il lui aspire le nombril en chuchotant Axel Red. Voilà, vous pouvez être sûr que le seul carnet au monde où vous pouvez voir cette phrase, c'est celui de Sophie Marie, quoi. C'est évident. C'est un... Je fais du script doctoring pour un scénario, donc ils m'ont demandé de muscler les intrigues. D'accord. Donc, à base d'Axel Red, forcément. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été là. Merci à vous. Et on laisse la place. C'était super de faire ça ici avec vous. Merci à Frame de m'avoir accueilli pour ce numéro zéro. Et si vous voulez tweeter des trucs, il y a un hashtag à bientôt de te revoir. J'ai fait simple comme hashtag. J'ai pas mis les... Comment on appelle ça ? Acrostiche, là. Hein, acronyme. Bon, vous avez compris, quoi. Et voilà, je laisse la place. Et ah oui, et si vous voulez le commander ou l'acheter le 1er novembre, voilà. Et en fait, on va lancer un concours sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram, Sophie Marie Laroui, tout attaché. Et sur Twitter, Socadence, c'est moi. On fera un concours où la meilleure photo postée avec le livre devant la librairie, vous l'avez acheté éventuellement avec le libraire ou la libraire, virgule, maintenant je reprends ma respiration, gagnera un ultra, genre, pas son poids en livre, mais genre, pour Noël. D'accord ? Voilà, mic drop.